Ah, non, est-ce qu'on est figurable? C'est bon. On est figurable, mais on... Non, non, c'est testé, je suis... Et... non, et Rally, faudrait... Pour les films... Ah, pour les films, il tourne avec... De ta fenêtre, ah, l'église, de ta fenêtre hein. Ouais, mais j'ai peur qu'on me pique là. Ah non, mais là, il y a ça. Est-ce que là, ça va fonctionner en commandement ou... Oh, bon, c'est pas la mienne. Il le vend ? Hein, ça se vend ? Ouais, ouais. De la classe sacerdotale qui, en plus de la réalisation des cérémonies et des rituels, avait organisé le travail et contrôlé le pouvoir politique, administratif et économique, instaurant de la sorte la stratification sociale et la division du travail. Allez. Une ombre sur la terre. Ah bon. Ah ouais. Une ombre, il est éclairé le soleil, le serpent. C'est, ce monument a été construit à deux époques différentes. Au cours de la première a été réalisée la structure décorée de hauts et bas-reliefs sur les panneaux et les talus des sept corps de la pyramide, construit entre les années 1 et 200 de notre ère. Parmi ces motifs, on retiendra les sculptures de serpents à plumes, symbolisant certainement Quetzalcoatl, alternant soit avec la représentation du dieu Tlaloc, soit avec celle du mythique Sipalki, ou crocodile, qui symbolise la fusion de la terre et de l'eau, ou la terre fertile. La seconde construction, et entre 200 et 450, a complètement recouvert la façade où se trouvait l'escalier, ainsi que les sculptures des corps latéraux, pour aboutir à l'édification d'une structure pyramidale à quatre corps, en panneaux talus, sans ornementation, sans doute afin justement de supprimer la fastueuse décoration de l'étape antérieure. Moi je fais le tour et je redescends. Ah oui, filme. Gracias.
moi.